Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme d'habitude, ça va nickel, et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, puisque aujourd'hui je vais aborder un nouveau concept, un concept différent de mes dernières vidéos, puisque depuis la création de ma chaîne, je parle presque exclusivement de puissance, et aujourd'hui donc je vais traiter un sujet plus profond, plus intéressant, puisque je vais vous partager mon top 5 des meilleurs arcs dans l'univers de One Piece. Alors, pour analyser de manière plus poussée les différents arcs de mon top 5, j'ai décidé de consacrer une vidéo à chaque arc, et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aujourd'hui vous parler des Nies Lobby. Pour ce faire, je vais aborder 5 points différents qui sont pour moi primordiaux dans la réussite d'un arc de shonen, et dans le fait qu'ils deviennent cultes et restent gravés dans les mémoires. Dans un premier temps, je vais vous donner mon avis sur le scénario. Est-ce qu'il est bien ficelé, bien construit et cohérent? Est-ce qu'il nous permet de ressentir de la tension, de la peur et du suspense? Dans un deuxième temps, je vais vous parler des antagonistes, pas seulement le principal mais aussi les secondaires, puisqu'ils jouent pour moi un rôle primordial dans le fait qu'un arc devienne culte ou non. Dans un troisième temps, je vais aussi aborder la qualité des flashbacks, qui sont aussi hyper importants puisqu'ils permettent de développer les personnages principaux de l'arc. Ensuite, je vais vous parler des combats. Évidemment, on est dans un shonen, la puissance joue donc un rôle primordial, et c'est donc très important de parler de ce facteur pour juger la qualité d'un arc. Et enfin, je vais aborder les conséquences de cet arc sur le monde de One Piece, et surtout nos Mugiwara. Donc voilà, j'ai assez blablaté, l'intro fait presque déjà 2 minutes, et sans plus tarder, on peut commencer avec la première partie de cette vidéo. Alors, l'arc auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui commence au chapitre 375, alors que les Mugiwara et leurs alliés arrivent sur l'île judiciaire d'Enies Lobby afin de sauver Robin, qui vient tout juste de se rendre au CP9 pour éviter de futurs problèmes à ses amis. Luffy et ses compagnons parviennent dans un premier temps à percer les défenses de l'île et arrivent ainsi jusqu'à la tour judiciaire. S'ensuit alors une série de combats opposant chacun des membres du CP9 et de l'équipage au chapeau de paille, le but de ces duels étant de récupérer les différentes clés en possession des agents du GM afin de libérer Robin de ses chaînes. Nami, Franky, Chopper, Sanji, Zoro et Luffy, une fois sortis vainqueurs de leurs affrontements respectifs, parviennent à sauver Robin et à échapper au Buster Call grâce à l'aide du Merry qui vint de lui-même au secours de ses compagnons. S'ensuit alors l'une des scènes les plus émouvantes du manga où les Mugiwara firent leurs adieux définitifs à leur fidèle Goin Merry qui n'était plus en capacité de poursuivre l'aventure à leur côté. Donc voilà pour ce qui est du résumé de l'arc dans les grandes lignes et passons maintenant à l'analyse détaillée. Tout d'abord, un point essentiel, c'est bien sûr que le scénario est très cohérent et bien ficelé. On comprend tout ce qui se passe et pourquoi cela se passe, ce qui fait que les différents événements s'enchaînent de manière très fluide, et ainsi le lecteur peut s'immerger à fond dans l'histoire. Le deuxième aspect très bon au niveau du scénario, c'est le fait qu'il permet de retranscrire à merveille l'omniprésence de danger autour des Mugi, que ce soit par l'intermédiaire de la cruauté et de la puissance des agents du CP9, ou par l'intermédiaire du Buster Call, qui est mis en évidence comme une menace énorme, notamment grâce au flashback de Robin, où on a pu voir l'île de Ohara se faire rayer de la carte. Perso, quand j'ai vu 10 navires de la marine débarquer avec 5 vice-amiraux à leur tête, j'ai direct ressenti une peur immense pour les Mugiwara, et ce genre d'émotions très fortes sont primordiales pour que le lecteur puisse prendre un maximum de plaisir lors de sa lecture. Et enfin, le troisième gros point positif, c'est le fait que la tension et l'omniprésence de danger dont je viens de vous parler augmentent au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. En effet, à la base, les Mugi devaient tout simplement récupérer Robin puis s'enfuir tous ensemble. Mais dans un deuxième temps, ils ont été obligés de se confronter et même de battre chacun des membres du CP9, et puis dans un troisième temps, ils durent non seulement vaincre les agents du GM, mais aussi les mettre hors d'état de nuire rapidement et avant que le Buster Call soit mis en place. Et enfin, ils furent forcés de se confronter à la menace énorme que représente un Buster Call et durent s'échapper au milieu de 10 navires de guerre de la marine. Bref, cette gradation hyper intéressante du sentiment de danger utilisé par l'auteur a fait en sorte que je ne me suis pas ennuyé une seule fois lors de ma lecture et cela m'a même permis de prendre de plus en plus de plaisir au fur et à mesure que l'histoire avançait. De plus, je trouve que cette constante augmentation de la tension et du sentiment d'insécurité dans cet arc a permis de créer un vrai effet de suspense. Perso, le fait qu'à chaque fois que les Mugi semblaient se rapprocher de la réussite, ils se retrouvaient ensuite confrontés à une menace encore plus grande, cela me faisait me demander s'ils allaient vraiment s'en sortir.
Alors, bien sûr, je savais clairement que leur plan allait réussir et qu'ils allaient s'enfuir sains et saufs avec Robin, mais j'étais totalement incapable de deviner comment ils pouvaient arriver à échapper à toutes ces menaces plus énormes les unes que les autres, et donc le suspense énorme quant à la finalité de l'intrigue est un des points que j'ai le plus apprécié. Donc voilà, le scénario de l'arc d'Enies Lobby est pour moi un exemple à suivre pour tous les auteurs de shonen, et est un facteur majeur dans la réussite de cet arc. Alors, pour commencer, je vais évoquer le cas des antagonistes secondaires que sont Jabura, Kaku, Khalifa, Bluno, Fukuro et Kumadori. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai très peu de choses à vous dire sur ces personnages-là, puisqu'ils ont été très peu développés, que ce soit au niveau de leur idéologie, de leur personnalité ou même de leur histoire. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été de bons antagonistes ayant donné de très beaux combats à chacun des chapeaux de paille. Ensuite, avant de m'attarder sur l'antagoniste principal, j'aimerais revenir un petit peu sur le personnage de Spandam. Alors, bien sûr, je déteste cet homme et c'est même pour moi l'un des pires persos de OP en termes de préférence. Mais si on prend du recul et qu'on analyse en détail le personnage, on est forcé de constater que c'est un très bon antagoniste. En effet, il est l'archétype parfait de la personne détestable, il est égoïste, sans pitié pour autrui, et prend un malin plaisir à faire du mal et à se moquer des autres, alors que lui-même est lâche et faible. Ainsi, c'est un antagoniste très bien construit, qui joue son rôle de méchant à merveille, puisqu'il est celui que le lecteur adore détester. Et enfin, comment parler des antagonistes de l'arc d'Enies Lobby sans évoquer le célèbre Rob Lucci ? En effet, il est pour moi l'un des meilleurs adversaires qu'ait affronté Luffy, que ce soit au niveau de la difficulté qu'il lui a donné en combat, ou au niveau de son développement et de sa personnalité. Et oui, puisqu'il est l'un des ennemis du chapeau de paille, lui ayant donné le plus de fil à retordre, puisqu'il l'a poussé dans ses tout derniers retranchements, au point que le fils de Dragon était à deux doigts d'être KO. Mais ce pourquoi Lucci est, je pense, un des plus grands antagonistes de l'univers de One Piece, c'est parce qu'il est en totale contradiction avec notre protagoniste, que ce soit au niveau de ses idéaux, de sa personnalité ou de ses ambitions. En effet, tandis que Luffy souhaite devenir le roi des pirates et ainsi être l'homme le plus libre du monde, Lucci de son côté obéit au doigt et à l'œil du GM, son seul but étant de remplir sa mission coûte que coûte, et ainsi il se retrouve être l'une des personnes les moins libres qui existent. Également, Luffy est un homme généreux, gentil, attentionné et capable de mettre en jeu sa propre vie pour aider ses amis, alors que Lucci, quant à lui, est une personne cruelle, sans émotion et prête à tuer même des innocents pour parvenir à ses fins. L'homme léopard a ainsi permis à notre héros de se confronter à une vision de la vie totalement opposée à la sienne et lui a donc fait passer un cap en le confortant dans l'idée que son point de vue est le plus juste et le plus valeureux. Et enfin, le dernier point qui fait que Lucci est un excellent antagoniste, c'est qu'il représentait, à l'époque d'Enies Lobby en tout cas, une menace énorme pour les Mugiwara. En effet, de par sa cruauté et sa violence, qui ont notamment été beaucoup développées lors de son flashback, il incarnait un danger énorme pour nos héros, ayant la capacité de les annihiler si Luffy ne parvenait pas à le vaincre. Le danger que représente et que dégage un antagoniste est pour moi un point essentiel dans le fait que ce personnage devienne culte ou reste dans les mémoires, et sur ce point-là, Lucci est clairement l'un des meilleurs méchants de tout One Piece. Enfin bref, l'arc d'Enies Lobby comporte d'excellents antagonistes, notamment avec les persos que sont Spandam et Lucci, et donc qui dit très bon méchant dit très bon arc. Alors, durant l'arc d'Enies Lobby, nous avons assisté à un flashback majeur, voire deux dans l'animé, où le passé de Lucci a été bien plus développé. Or, pour cette vidéo, je me base vraiment sur le manga, et dans celui-ci, nous avons eu droit à un mini-flashback, on va dire, où Doberman nous raconte sur à peine deux pages les exploits passés de Lucci en tant qu'agent du Cypherpol. Bon, deux pages, c'est vraiment peu pour analyser un flashback en détail, mais s'il y a un point positif important qui ressort selon moi, c'est bien sûr que cette évocation d'une partie du passé de Lucci permet de donner une dimension encore plus dangereuse à ce personnage. En effet, Doberman nous explique qu'il y a 15 ans, Lucci a été envoyé en mission dans un certain royaume qui avait été assiégé par des pirates, ces derniers ayant pris en otage 500 gardes royaux. L'homme léopard, alors âgé de 13 ans, avait donc massacré les 500 otages, puis éliminé tous les pirates, tout cela dans le seul but de remplir sa mission.
Ainsi, ce mini flashback permet d'accentuer énormément la dangerosité que représente Lucci par rapport au Mugiwara, et donc juste de par cet aspect, je considère que ce petit flashback est très pertinent, étant donné l'importance que j'accorde au niveau de menace qu'incarne un antagoniste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, concentrons-nous maintenant sur le flashback principal de cet arc, qui n'est autre que celui de Robin. Alors, pour commencer, ce retour en arrière est hyper intéressant par rapport à l'histoire de l'œuvre dans sa globalité. En effet, il permet de nous introduire des sujets majeurs de One Piece, comme l'oppression du gouvernement mondial, le siècle oublié, ou encore un certain royaume existant autrefois, il y a 800 ans. Également, ce flashback est extrêmement pertinent par rapport au développement de notre cher Nico Robin. Et oui, puisque celui-ci nous permet de comprendre tous les comportements et actions de notre archéologue, qui pouvait paraître auparavant bizarre, que ce soit le fait qu'elle ait rejoint une organisation maléfique comme le Baroque Works, qu'elle soit très distante et ait beaucoup de mal à faire confiance aux autres, ou encore qu'elle se soit rendue d'elle-même au CP9. Mais surtout, ce flashback est exceptionnel dans le sens qu'il est extrêmement émouvant et nous permet à nous lecteurs de nous mettre à la place de Robin et de comprendre totalement sa douleur quant aux tragédies qu'elle a vécues. Pour ma part, c'est clairement ce flashback qui m'a fait adorer le personnage de Robin, cette petite fille qui se retrouve si jeune confrontée à la mort de sa mère et de ses seuls amis, et qui se voit rejetée de tous alors qu'elle cherche simplement à connaître la vérité. C'était vraiment déchirant et cela a fait que je me suis beaucoup attaché à ce personnage. Ensuite, ce flashback est excellent également car il a permis de nous introduire des personnages fantastiques comme notamment le Dr Clover qui n'a pas hésité une seule seconde à dévoiler les tabous cachés par l'EGM alors qu'il était entouré de soldats prêts à le tuer, ou encore comme Hagward et Zoro qui a eu les cojones de quitter la marine à cause des actions malsaines de cette dernière et qui fut l'une des seules personnes à se préoccuper de Robin et à œuvrer pour son bien. Et enfin, le point qui est selon moi le plus intéressant dans ce flashback, c'est la manière avec laquelle le sujet de la justice a été abordé. En effet, on peut voir différentes oppositions idéologiques dans ce flashback, avec par exemple les archéologues d'Ohara d'un côté, qui pensent que le GM est une organisation malveillante cachant la vérité aux yeux du monde, et de l'autre les marines comme Sengoku ou Akainu, ainsi que les membres du CP9, qui exécutent les ordres du GM à la lettre, quitte à tuer des personnes innocentes. On a également une autre opposition tout aussi pertinente entre Zoro qui a définitivement perdu foi en les idéaux prônés par la marine et Aokiji qui de son côté pense que des sacrifices sont nécessaires pour le bien du reste du monde. Ces conflits idéologiques permettent de mettre en évidence la complexité que représente le mot justice et montrent que cette notion n'est absolument pas manichéenne. Comme nous le dit si bien Kuzan, la justice revêt plusieurs visages suivant l'angle où l'on se place. Donc voilà, l'arc d'Enies Lobby est fantastique notamment grâce à ses flashbacks et surtout grâce à celui de Robin qui est clairement un de mes préférés, tout manga confondu. Alors, tout d'abord, le premier point que j'aimerais aborder, c'est la qualité des dessins de Monsieur Oda pour les différents combats de son arc. En effet, ils permettent de nous retranscrire à merveille la vitesse, la violence et la puissance des coups des différents acteurs principaux, comme on peut le voir par exemple sur cette case, où l'on ressent parfaitement la brutalité du coup de Luffy. Également, le découpage de l'auteur est excellent, puisque pour ma part, j'arrivais à comprendre facilement et instantanément les différentes actions se déroulant lors des combats, et ainsi ma lecture a été très fluide et donc d'autant plus agréable. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse détaillée des différents combats majeurs, je vais commencer par le duel entre Fukuro et Franky. Déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet affrontement, c'est son côté comique et original qui est mis en évidence par la fin du combat totalement loufoque, où les deux adversaires se retrouvent collés serrés et en train de tournicoter dans les airs, avant que Franky remporte finalement la victoire grâce à un bon gros coup de vent. Mais aussi, j'ai bien aimé la petite rivalité qui a été instaurée entre le charpentier et le membre du CP9 à propos de celui qui frappe le plus fort. Ensuite, pour l'affrontement entre Nami et Khalifa, j'ai beaucoup apprécié voir notre navigatrice impliquée dans une lutte aussi tendue et acharnée, étant donné qu'elle est très souvent mise en retrait en matière de combat. Ce duel est d'ailleurs pour moi le meilleur auquel ait participé Nami à l'heure actuelle. Continuons avec l'affrontement étant pour moi le cinquième meilleur de cet arc qui a opposé Chopper à Kumadori. Ce combat est juste excellent puisqu'il met en évidence la détermination folle du médecin des Mugiwara, qui ne lâche rien malgré les dégâts énormes qu'il subit, et qui est même prêt à risquer sa vie pour parvenir à vaincre son adversaire. Et puis, on va pas se mentir, ce qui fait majoritairement la qualité de ce duel, c'est le power-up fou de Chopper avec son Monster Point.
Perso, quand j'ai vu pour la première fois cette transformation, j'étais complètement choqué. Un petit renne tout mignon qui devient un véritable monstre surpuissant et inarrêtable, c'était à la fois jouissif et très attristant. Poursuivons notre analyse avec l'affrontement entre notre héros Luffy et l'homme porte Bluno. Ce combat est juste légendaire puisqu'il est celui qui nous a introduit le fameux Gear Second et qui nous a permis de comprendre la puissance folle de cette transformation. D'ailleurs, j'ai adoré voir notre Mugiwara littéralement rouler sur Bluno qui se pensait bien supérieur sur Water 7 et juste avant le combat. C'était même hyper jouissif de regarder l'homme porte abasourdi et totalement dépassé par Luffy qui lui a clairement montré qui était le patron. Ensuite, pour ce qui est du duel Sanji contre Jabura, c'est encore une fois un combat exceptionnel. En effet, que ce soit l'intervention de notre cuisinier pour sauver Usopp, l'intensité et la violence du combat, et surtout la première apparition du mythique Diable Jumbo, cet affrontement est juste masterclass de A à Z. Sans oublier aussi la citation incroyable que nous a sortie Sanji après avoir terrassé Jabura. Dieu créa la nourriture et le diable les condiments. Je crois que cette fois, le plat était un peu trop épicé. Parlons maintenant du combat de Roronoa à Zoro qu'il a opposé à Kaku, l'homme girafe. Tout comme le duel auquel a participé Sanji, cet affrontement était hyper palpitant et plein d'action, et Oda a réussi à associer parfaitement ce côté épique avec une bonne touche d'humour. Et puis encore une fois, nous avons assisté à un power-up génial durant ce duel qui n'est autre que le fameux Ashura de Zoro. Et enfin, comment ne pas conclure cette quatrième partie avec l'un des affrontements les plus mythiques de One Piece qui a opposé Rob Lucci à Monkey D. Luffy. Dans ce combat, on retrouve tous les aspects qui font la légende d'un duel de shonen, que ce soit l'intensité folle, la détermination infinie des deux acteurs principaux, l'opposition idéologique entre ces derniers, le suspense incroyable par rapport au vainqueur, ou encore les nombreuses techniques toutes plus impressionnantes les unes que les autres qui ont été introduites lors de cet affrontement. Et puis, comment ne pas mentionner cette scène légendaire où après s'être relevé grâce au discours hyper émouvant de Usopp, Luffy balance un mythique Gomu Gomu no Jet Gatling pour enfin envoyer Lucci au tapis. Sincèrement, ce combat et tous ceux que j'ai cités juste avant sont vraiment exceptionnels et ont énormément participé au succès de cet arc. Alors, pour cette dernière partie, je vais d'abord commencer par m'intéresser aux conséquences de l'arc d'Enies Lobby sur le monde de One Piece dans sa globalité. Donc, l'incident qu'ont provoqué les Mugiwara a eu un énorme impact en très grande partie sur la réputation et l'organisation du GM. En effet, en plus d'avoir entraîné la destruction d'Enies Lobby, une des trois grandes institutions du gouvernement, ils ont aussi semé la pagaille sur cette même île, auparavant inviolée depuis 800 ans, récupérant Robin, une criminelle activement recherchée, et envoyant au tapis chacun des membres du CP9, qui étaient pourtant des soldats d'élite. Ce fut donc une véritable humiliation pour le gouvernement mondial, qui n'a pas été capable d'arrêter de jeunes rookies ayant osé brûler leur drapeau. Bon, les événements d'Enies Lobby n'ont pas eu d'autres conséquences majeures à l'échelle du monde selon moi, donc je vais directement me concentrer sur le plus important, c'est-à-dire les impacts de cet arc sur les Mugiwara. Alors, pour commencer, l'incident d'Enies Lobby a eu des conséquences énormes sur la cohésion et la solidarité au sein de l'équipage au chapeau de paille. En effet, on a pu voir que chacun des Mugiwara était prêt à risquer sa vie pour parvenir à sauver Robin, chose qui a été mise en évidence par la scène mythique où Luffy et ses Nakama se sont présentés face à leur ami en lui montrant clairement leur intention de la sauver, quitte à se mettre à dos le gouvernement mondial. On a également eu tout un tas d'autres exemples qui démontrent de l'évolution de cette solidarité au sein de l'équipage, avec notamment Nami qui ne lâche rien du début à la fin de son combat contre Khalifa malgré qu'elle subisse de très gros dégâts, ou encore avec Usopp qui va jusqu'à risquer sa vie en provoquant Lucci dans le seul but de remotiver son capitaine. Également, un autre point très intéressant, c'est que les Mugiwara passent lors de cet arc un récap par rapport à leur loyauté envers Luffy, avec notamment l'introduction de l'idée d'être prêt à devenir un monstre pour faire de son capitaine le futur roi des pirates. En effet, nous avons d'abord Chopper qui choisit consciemment de devenir un monstre incontrôlable dans le but d'aider ses amis, mais aussi Sanji qui développe le Diable Jumbo, une technique clairement liée au diable et aux enfers, et enfin nous avons également Zoro qui utilise l'attaque Ashura, faisant directement référence à des êtres démoniaques de la mythologie hindouiste. Ensuite, si on prend un peu plus de recul, les Mugiwara passent aussi dans une toute autre catégorie par rapport à leur réputation. Et oui, puisque suite à cet arc, ils deviennent de véritables ennemis publics du gouvernement, au point que chacun d'entre eux possède une prime sur sa tête. Mais également, l'équipage passe un gros cap en faisant ses adieux au Vogue Mary, leur fidèle navire qui les accompagnait depuis leur départ du village de Syrop, et avec qui ils auront vécu de nombreuses aventures.
Ainsi, ces deux derniers éléments nous font comprendre que le manga passe dans une toute autre dimension et que rien ne sera plus comme avant pour nos héros. Et donc, pour terminer cette cinquième partie, je vais aborder le cas de Robin et de son développement. Notre archéologue est rejeté depuis sa plus tendre enfance, que ce soit à cause de son fruit du démon ou de sa prime très élevée. Seuls les archéologues d'Ohara et Aguar d'Isoro ont été de vrais amis pour elle, se préoccupant de son bien-être et de sa sécurité. Cependant, ses camarades si chers à son cœur ont tous disparu lors de l'incident d'Ohara, et donc cette pauvre petite fille s'est littéralement retrouvée seule au monde. S'en est suivi alors tout un tas d'événements où elle a été trahie, abandonnée et rejetée, qui l'ont amenée à mener sa vie en solitaire, sans faire confiance à personne, et en se considérant comme un fardeau pour tous ceux qu'elle côtoie. Puis arriva le jour où elle rencontra Monkey D. Luffy, qui décida de la sauver et de l'accepter dans son équipage, malgré ses actions passées qui ont pu poser de gros problèmes au Mugiwara. Robin se lie ainsi d'amitié avec Sanji, Nami, Chopper, Zoro, Usopp et Luffy en partageant de nombreuses aventures à leur côté. Puis vint alors le moment où sur Water 7, son passé refit surface avec le CP9 qui vint la capturer. Elle décida alors de se rendre d'elle-même au gouvernement, se rappelant qu'elle est un fardeau pour chaque personne qu'elle côtoie, dont on cherche à se débarrasser à la première occasion. Et c'est ensuite qu'intervient le déclic chez Robin, alors que tous les Mugiwara vinrent jusqu'à déclarer la guerre au gouvernement en brûlant leur emblème, tout cela dans le but de la sauver. Elle repensa ainsi à son vieil ami Zoro qui lui avait affirmé qu'elle trouverait un jour des compagnons prêts à tout pour elle, et décida donc dans une scène absolument mythique de crier son réel souhait, celui de vouloir vivre et de continuer l'aventure avec ses amis. Ainsi, durant cet arc, Robin a compris ce qu'est réellement l'amitié et que les chapeaux de paille sont de vrais camarades prêts à faire n'importe quoi pour l'aider. Elle a également eu un déclic par rapport à elle-même, en prenant conscience qu'elle est une personne comme une autre ayant le droit de faire ce qu'elle souhaite et que le problème ne vient pas d'elle, mais du GM qui la traque injustement et des personnes malhonnêtes qui l'ont rejetée soit à cause de ses différences, soit pour récupérer la prime sur sa tête. Enfin bref, cet arc a eu une importance capitale dans le développement de nos Mugiwara et a clairement fait passer le manga dans une toute autre dimension. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, comme d'habitude, je me suis régalé à la faire, surtout que ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de vous sortir ce genre de contenu sur la chaîne, puisque c'est un contenu que je trouve un peu plus intéressant que ceux que je sors d'habitude, comme par exemple les top 10 des meilleurs utilisateurs de Haki, ou les top 10 des meilleurs ninjas de Konoha. Donc voilà, j'ai vraiment pris un plaisir particulier à faire cette vidéo. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis, surtout sur la qualité de mon analyse, puisque je vais sortir d'autres vidéos de ce genre à l'avenir sur la chaîne, et pour pouvoir m'améliorer j'aimerais bien que vous me donniez quelques conseils donc pour améliorer la qualité de mon analyse et donc la qualité de ma vidéo. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, et n'hésitez pas non plus si vous voulez plus de contenu à aller checker ce que je fais sur Instagram, TikTok et Twitter, surtout Twitter puisque c'est le réseau avec YouTube sur lequel je suis le plus actif. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et sur ce, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les amis, ciao !